quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Chante encore une fois, en te voyant, nous retrouvons la force. Nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ce matin, j'avais à cœur, en préparant ce moment de louange, de se rappeler vraiment pourquoi et pour qui nous sommes ici présents ce matin. Pourquoi ce matin, on a choisi de se connecter, de vivre ce culte en ligne. Je voulais qu'on se rappelle que c'est pas juste une routine, c'est pas juste une liturgie. On est à quelques jours de Pâques et qu'on se rappelle profondément ce matin pour qui. Pourquoi ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, qui a donné sa vie pour nous, c'est tellement profond, c'est tellement énorme. Et je voulais qu'avant qu'on commence à rentrer vraiment dans sa présence, on se rappelle de qui il est, de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut prendre un temps, fermer les yeux et juste se rappeler? Il est monté sur le mont du Calvaire il y a 2000 ans. Il est mort, il a porté nos péchés. Il est ressuscité. Il est vivant, présent, encore aujourd'hui, au milieu de nous. Parce que là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est présent. Le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, est présent ici, dans ce lieu, maintenant. Il est présent chez vous. Derrière l'écran, il est là ce matin. Il est là. Et c'est lui qu'on a l'honneur de louer et d'adorer ce matin. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le plus vil. Bannière, je
vainqueur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus.
sont confiants. Ta main souveraine a fermé nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclats. Ce matin, viens Jésus, règne en nous, règne en nous. Pouvons-nous le lui dire comme un temps d'adoration? Vous dans ce lieu, vous devant vos écrans, pouvez-vous dire à l'unisson avec nous: viens Jésus, règne en nous. Tu nous as libérés de nos chaînes, tu as payé le prix qui a brisé l'emprise de celui qui dominait nos vies. Et nous sommes des hommes et des femmes libres en Christ. Nous te bénissons et nous te louons de tout notre cœur. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Pendant que le clavier continue, en cet instant, il y a une personne qui est devant son écran et vous souffrez terriblement. Vous avez des problèmes au niveau de votre foi et ces problèmes sont de plus en plus graves. Ça avait commencé par une hépatite, mais ça se transforme en cirrhose. Voilà ce que les médecins vous ont dit. Et vous êtes totalement effondré. Parce que vous ne vous êtes ni jamais drogué, ni vous n'avez jamais bu, ni il n'y a pas d'excès qui ont été faits dans votre vie qui pourraient expliquer. Tout d'abord l'hépatite. Cette hépatite C, puis cette maintenant dans cette cirrhose. Le Seigneur vous dit: ma fille, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, c'est moi qui te touche et qui te bénis en cet instant. C'est moi qui le fais pour toi. Donc nous sommes là dans ce lieu, simplement, je veux prier pour les malades. Avant même que nous célébrions cette sainte scène,
à laquelle je vous demande de vous préparer simplement en ayant ce qu'il vous faut pour l'apprendre. Restons là debout devant lui. Et si vous êtes malade, mettez la main là où vous souffrez. Nous nous adressons au Seigneur. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, dit l'apôtre Pierre. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Tout est accompli. Nous venons dans la confiance et le repos de la foi. Te bénissons, Seigneur, pour tous les moyens qui nous ont été donnés par la science pour nous soigner. Nous sommes heureux, mais Seigneur, nous savons que dans certains cas, l'homme est limité. Nous avons besoin de toi, c'est de toi. Et près de toi que nous cherchons notre secours. C'est pourquoi touche les malades, et en particulier cette sœur à laquelle tu as parlé. Viens visite-les ce matin, dans ce lieu, mais également devant les écrans. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Nous te bénissons et te remercions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mes petits-enfants, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mes petits-enfants, voilà comment Dieu s'adresse à nous ce matin au travers de Jean. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes encouragés à vivre une vie qui honore Dieu, une vie sainte. Mais oui, si quelqu'un est tombé, non pas qu'il s'habitue à le faire, non pas qu'il le fait volontairement, mais si quelqu'un est tombé, nous avons un avocat auprès du Père, il est là ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble pour prendre cette sainte scène, debout devant lui? Est-ce que vous pouvez lui dire, ce matin, Seigneur, de tout cœur, je veux mener une vie dans laquelle je refuse le péché, je le refuse absolument. Mais en même temps, dans laquelle j'ai une espérance, parce que quand même, s'il m'est arrivé de tomber, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Je suis justifié par l'œuvre de la croix. Non pas pour que je vive dans le péché. Non pas pour que, au nom de la grâce, je vive selon la chair. Mais d'autant plus, Seigneur, je désire vivre dans la sainteté, conscient que tu as payé un grand prix pour moi. Que ton nom soit béni. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons prendre le pain et j'aimerais avec vous prier et j'aimerais que nous élevions tous nos voix. Pouvons-nous prier à haute voix ensemble? Pouvez-vous remercier le Seigneur avec moi pour le corps qui était brisé? Puis-je entendre vos voix dans ce lieu et vous, devant vos écrans, priez, remerciez le Père d'avoir donné son Fils, remerciez le Fils d'avoir donné sa vie. Père, je te bénis pour ton Fils Jésus. Je te remercie pour ce corps brisé. Brisé pour que moi je sois libre de mes chaînes. Brisé pour que nous soyons libres de nos chaînes. Brisé pour que nous ayons accès au trône de la grâce. Brisé pour qu'un jour nous puissions entrer dans l'éternité libre. Libre et librement. Quelle grâce. Merci pour ce corps. Symbolisé par ce pain, je te bénis. Je te bénis. Prenons le pain ensemble en mémoire de ce que Christ a fait. Merci Seigneur. Je vous invite à prier pour ce vin que nous allons prendre, symbolisant le sang de Jésus. La Bible dit, il nous purifie de tout péché. Personne
ni dans ce lieu ni ailleurs ne peut dire moi j'ai des péchés qu'il ne peut pas purifier. Il nous purifie de tout péché. Ce qui est important, c'est maintenant de l'abandonner, ce péché. Mais il te purifie. Père, ensemble nous prions, élevez votre voix, bien-aimé. Ensemble nous prions. Je te remets cette coupe, symbolisant le sang de l'alliance, cette alliance nouvelle faite avec toi par Christ qui s'est donné. Merci pour ce sang qui nous purifie de tout péché. Et ce matin, nous allons le prendre dans la volonté de ne pas pécher. Mais tout en étant conscient que si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ta parole dit même que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, par omission, par commission, nous avons pu pécher. Mais tu es celui qui nous relève. Quelle grâce! Quelle grâce! Prenons ensemble ce vin et bénissons le Seigneur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Et avant que Jonathan ne prenne le prochain chant, j'aimerais que nous remercions Dieu aussi pour les offrandes. Lui qui a donné son Fils en offrande pour nous. Jésus est venu. Il s'est offert. Il est le don de Dieu. Il est le cadeau. De la même manière, dans la liberté, selon ce que les uns et les autres ont sur leur cœur, nous sommes invités, nous aussi, à apporter nos offrandes librement. Merci Seigneur de ce que tu bénis. Tu bénis tous mes bien-aimés, ici dans ce lieu, partout sur le net. Merci pour, Seigneur, les offrandes apportées dans ta maison pour que nous puissions continuer à annoncer ce merveilleux message de l'Évangile. Merci de bénir les uns et les autres. Tu vois, ceux qui ne peuvent rien donner, nous les bénissons. Nous te demandons également de bénir et d'aider ceux qui sont économiquement dans une situation actuellement difficile liée au contexte dans lequel nous sommes, Père, secours-les. Et je veux prier aussi pour toutes les assemblées dans ce pays. Père, nous voulons vraiment que chaque assemblée puisse avoir son soutien pour qu'elle puisse, au travers de cette crise, traverser et continuer à être lumière du monde et celle de la terre, là où tu les places. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul revient l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous savons que tu es le Tout-Puissant et que tu ne changes pas. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Sois béni. Amen.
suis enfant.